Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver pour une vidéo spéciale haul, un haul beauté, mes derniers achats beauté, soins du visage, soins du corps, quelques soins cheveux. On va parler à la fois de produits naturels, green, éco-luxe, mais aussi de K-Beauty, donc il y en aura pour tous les goûts. Je vais commencer par les soins corps avec ma dernière commande sur le site de So Natural Beauty, qui est un e-shop belge qui propose de très très jolies marques, un peu rares, un peu éco-luxe, toujours avec des belles formulations. C'est des produits, certains je vous les ai déjà présentés dans ma dernière vidéo favori, puisqu'il y en a un ou deux, peut-être même deux ou trois que j'ai commencé déjà à tester et à utiliser. Pardon, j'ai un cheveu qui se colle sur le gloss, le truc pas pratique du tout. Donc je vais commencer par les huiles corps d'Innersensis. Alors si vous les voyez sur le site avec un autre packaging, c'est normal. Innersensis, c'est une marque qui propose des mélanges d'huiles végétales avec des huiles essentielles vraiment haut de gamme, des très 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 belles formules. On a des sérums visage huileux, on a des huiles pour le corps, on a des huiles multi-usages. Et j'aime beaucoup parce que vous avez ce côté à la fois qui joue donc avec l'aromathérapie, la puissance en fait des huiles essentielles. Vous avez la qualité des huiles végétales qui sont toujours des huiles végétales de première pression à froid, de très très belle qualité. On a vraiment de beaux mélanges, des belles synergies d'odeurs. Je suis totalement fan de ces huiles. J'ai voulu me prendre la Tranquille Body Oil. Comme son nom l'indique, ça va être l'huile tranquillité. Par exemple, pour apaiser, puisqu'à l'intérieur, vous avez de la lavande, du petit grain bigarade, du néroli, de la mandarine. Donc vraiment des senteurs assez douces d'agrumes et surtout une synergie qui va être là pour apaiser. Donc c'est pas l'huile qu'on va mettre par exemple le matin avant d'aller bosser, sauf si vous êtes stressé de bon matin, mais plutôt l'huile pour vous détendre le soir, que vous allez prendre le temps de masser. Alors les huiles, donc selon les huiles, elles sont plus ou moins sèches, mais c'est pas des huiles trop grasses, trop épaisses. Vraiment, elles sont vraiment bien formulées, donc elles sont très très agréables. Ensuite, toujours de Innersensis, la Seven Wonder Skin Panacée. Donc rien que le nom, ça donne envie. Alors celle-ci en plus, elle a été primée au Beauty Shortlist Awards. C'est un prix tous les ans qui récompense des marques pour des produits qui ont des listes inky très très courtes et de bonne qualité. Donc là, on est vraiment sur un mélange d'huiles assez précieux. On a de l'huile de camélia, on a de la nigelle, on a de l'abricot, on a du baobab, on a de l'huile de graines de chia. Et ensuite, on a des extraits anti-âge comme le coenzyme Q10, comme la vitamine E, comme le ribesnigrum. Oh, j'ai un trou de mémoire, ribesnigrum, qu'est-ce que c'est déjà? Je crois que c'est la mûre, je sais plus. Honte à moi pour une préparatrice d'oublier ce que c'est. Donc on est vraiment en fait sur un mélange qui va en fait apporter tout ce qu'il faut à la peau, que ce soit le visage et le corps. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est multi-usage celle-ci, pour avoir vraiment un effet régénérant, réparateur, anti-âge, antioxydant. Pas d'odeur particulière. Voilà, ça sent l'herbe, ça sent le produit naturel, voilà. Et puisqu'on parle d'odeur, on enchaîne avec la marque Rachel Plants Bee. Alors c'est une marque qui vient du Texas, c'est une marque, voilà, pareil, qui propose des produits presque, c'est un peu une marque artisanale, c'est-à-dire que c'est une marque qui souvent va être en rupture de stock parce que du coup, elle produit en petite quantité. On a beaucoup de beurre végétaux, de gommage, c'est des produits très nourrissants pour le corps. Il y a aussi une huile démaquillante pour le visage. Donc, je vous ai déjà parlé de la Original Body Oil, qui est une huile sèche, mais enfin, alors c'est pas l'huile la plus sèche hein, que je connais, c'est une belle huile pour le corps, pas très grasse, on va dire. Mais surtout, la particularité de celle-ci, c'est son odeur de sucre vanillé gourmande qui est juste addictive. Je crois que c'est la. À ce jour, c'est mon odeur, je crois, d'huile favorite, avec une autre huile d'agent nateur que j'adore. Donc on est en plus sur vraiment des produits de qualité, flacon en verre ambré. De la même fragrance, j'ai voulu tester le savon. Alors ce que je trouvais intéressant, là par contre, alors c'est du plastique, c'est qu'en fait, ce savon ensuite, il y a une grosse éco-recharge que je trouvais intéressante. Et on est vraiment sur du savon fait à la potasse. Les savons saponifiés à froid sont faits à la soude. Les savons saponifiés à froid mais liquides sont faits avec de la potasse. Donc on est sur un produit, moi, que je vais utiliser vraiment que sur le corps. Ça a une certaine douceur, ça change un peu du gel douche. Alors au niveau de l'odeur, c'est pas aussi gourmand que je le pensais.
C'est assez doux, hein. Franchement, moi, je réagis très très bien. Les enfants aussi, tout le monde aussi, tout le monde aime ça. Voilà, c'était plus le plaisir de la découverte et en me disant qu'après, il y aurait ce format éco-recharge que je trouve assez pratique ensuite pour recharger le flacon. La marque propose aussi des beurres corporels, mais ils étaient tous... hors stock en fait lorsque j'ai commandé, donc j'attendrai le réappro. Donc je me suis vengée avec des gommages pour le corps, puisqu'arrivé l'hiver, je fais un peu plus attention au corps, aux produits. Voilà, c'est vrai que je suis un peu plus régulière que l'été, étrangement. Donc les gommages, ce sont des gommages à base de sucre, très dense, très gras. Voilà, ça c'est le petit hic. J'aime bien lorsque ça laisse une petite pellicule. Là, c'est une grosse pellicule, hein. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, après, vous êtes sûr qu'il faut que vous nettoyez la baignoire. Peut-être pas la peine de mettre un beurre pour le corps parce que ça vous laisse vraiment une grosse pellicule grasse. Donc j'ai pris l'odeur margarita. Donc bien sûr, margarita, ça sent l'agrume. Bien entamé déjà, ça fond, c'est un gommage assez compact. Je ne suis pas fan de l'odeur puisque je trouve que l'odeur d'agrumes sent un peu trop le pec citron. Je suis désolée, mais alors voilà, bon, moi c'est mon avis, je sais que beaucoup aiment l'odeur de ce produit. Pour le deuxième gommage de cette marque, j'ai voulu prendre la senteur noix de coco. On est sur une belle noix de coco, douce, pas trop écœurante, un peu fleurie, très agréable, donc toujours voilà une texture très très compacte et bien grasse. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des gommages pour les personnes qui aiment les gommages au sucre, les gommages à grains qui fondent et surtout qui aiment cette base assez grasse. Chez So Natural Beauty, eh bien, j'ai repris les shampoings Kalia. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. J'adore cette marque. Elle est en passe de devenir ma marque numéro 1. J'ai un top 3 assez serré en ce moment entre Désert Essence, Kalia et Rawa. Le shampoing Kalia purifiant qui est à la fois très doux. Alors, c'est pas le shampoing le plus purifiant qui existe si vous avez le cuir chevelu gras, mais on est vraiment sur des shampoings qui ont d'excellentes formules. Même les démêlants, les conditionneurs, vraiment. Aucun silicone, aucun... ingrédients qui remplacerait les silicones ou qui auraient un effet silicone-like, mais en plus ça démêle super bien, ça vous fait des cheveux légers, doux, brillants, du vrai bonheur. Et ce jour-là, j'ai fait une bonne affaire parce que c'était mon anniversaire, donc j'ai eu moins 15% sur ma commande et on m'a gentiment glissé un petit cadeau d'anniversaire. Alors c'est une marque que je ne connais absolument pas, Blue Beautyfly. C'est une marque vraiment naturelle. Je vous montre le packaging hein, qui est assez banal, on va dire. Mais par contre, on a une belle composition. En fait, c'est un masque purifiant. On a une jolie formule avec de l'aloe vera, de la glycérine. Donc clairement, vu qu'on a ça en premier ingrédient et ensuite le bambou et de l'huile de tournesol, je pense que c'est le genre de masque purifiant, vous savez, qui ne sèche pas, qui ne craque pas. Donc c'est vrai que moi maintenant j'ai tendance à apprécier ce genre de masque purifiant. Je crois que je me suis tellement desséché le visage avec des masques, vous savez, trop purifiants qui sèchent complètement, que j'ai tendance maintenant à préférer les masques qui restent un peu plus souples, qui maintiennent l'hydratation de la peau. Donc voilà, j'ai pas du tout testé, je ne connais pas la marque, je peux pas vous en dire plus. On a une belle formule. Donc Laetitia, si tu regardes cette vidéo, merci pour le cadeau, j'ai vraiment apprécié. J'ai voulu tester le shampoing Désert Essence au citron et à l'arbre à thé, tout simplement. Alors là, c'est vraiment la gamme clarifiante. J'ai mon cuir chevelu qui s'emballe un peu ces derniers temps. Ça a été un peu comme ma peau. Hein. Tout le mois d'août, tout fin d'été, tout septembre, vraiment, j'ai eu mais alors une production de sébum glow naturel tous les jours. Super, vraie tablette de beurre, je vous dis pas comme j'ai galéré. Donc le Lemon Tree Shampoo, shampoing à l'arbre à thé citronné. Donc forcément, odeur... citron arbre à thé, c'est pas la plus glamour, c'est pas la plus agréable, c'est pas trop désagréable non plus. Mais alors, ce shampoing, voilà, comme tous les shampoings des Désert Essence, c'est une réussite. C'est-à-dire que ça mousse bien, c'est sans silicone, c'est naturel niveau formulation, c'est pas cher, c'est efficace. Et je voulais à tout prix tester le masque de la marque Cut by Fred. Alors déjà, on est sur un gros format, 400 ml. Un produit qui est 100% naturel, qui est fait en France. On a un très très beau packaging et on est sur un produit, alors c'est vegan en plus, qui sent mais divinement bon si vous avez connu la colle Cléopatra. Ça a une odeur d'amande assez puissante. On est sur une belle texture. Je l'ai testé une première fois ce matin. J'ai vraiment aimé. Je l'ai laissé poser 10 minutes. J'ai trouvé qu'il était à la fois nourrissant, mais il n'a pas du tout alourdi mes cheveux. Il a un très très bel effet démêlant. Il s'élimine super bien. Hein, surtout que lorsque vous l'éliminez, si vous l'émulsionnez un peu, donc moi pour éliminer mes masques facilement, je mouille les cheveux. J'émulsionne un peu comme si c'était un shampoing, comme si je voulais faire mousser. Il s'élimine
très 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 facilement. Donc vraiment niveau brillance, j'aime beaucoup. Je sens que mes pointes, voilà, sont beaucoup plus jolies. Pas réparer, hein, parce qu'un masque ne réparera jamais les cheveux. Donc vraiment, premier essai très très concluant. J'aime beaucoup ce gros flacon. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même très intéressant, puisque une trentaine d'euros, mais on a quand même 400 ml de produit. Donc pareil, je vous en reparlerai. On passe aux soins du visage, 4 soins Ecolux à vous présenter. Alors, 2 soins de Tata Harper. Tata Harper, c'est une marque anglaise qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une marque vraiment haut de gamme. On est quand même dans du luxe. Et en fait, ce que je fais depuis plusieurs mois, c'est que dès que je peux, je m'achète des soins de cette marque. Et tout simplement, je les mets de côté pour un jour essayer de me faire une routine plus ou moins complète avec celle-ci. Et pour vous partager une revue, un avis détaillé sur cette marque, parce que vraiment ça m'intrigue, c'est un prix vraiment très très élevé et ça m'intrigue. J'ai vraiment envie, voilà, de voir ce que vaut les produits, de vous en parler, de vous dire si ça vaut vraiment la peine de dépenser autant dans des soins. Donc j'ai pris les 2 derniers soins que j'ai achetés de la marque. On a le nettoyant régénérant, ça fait partie des best-sellers il me semble. Ce nettoyant a la particularité en fait d'être à la fois une exfoliation chimique avec des acides de fruits, voilà, ouais, acides de fruits, écorce de saule aussi qui est une sorte d'acide salicylique naturel, et vous avez aussi quelques microsphères ou quelques noyaux, voilà, des grains d'abricot pour avoir une exfoliation mécanique. Donc on est vraiment à chaque fois sur des formulations vraiment haut de gamme où il y a énormément énormément d'ingrédients et que des ingrédients naturels, des principes actifs, donc voilà, il y a quasiment pas de superflu à l'intérieur. Quand je dis superflu, ça va être tout ce qui va être enrobage, souvent une crème, un soin. Vous avez une sorte de base, de soupe, on va dire. Et à l'intérieur, c'est comme si vous aviez ensuite les légumes qui surnagent, les ingrédients actifs. Là, vraiment, on a quasiment que des ingrédients actifs. C'est un peu ça dans les produits Ecolux. C'est qu'en fait, les compositions sont quasiment composées que d'ingrédients actifs. Donc heureusement, hein, vu le prix. Donc le nettoyant régénérant, j'ai pris le petit modèle qu'on utilise tous les matins. C'est une forme crémeuse. J'ai pas du tout testé, hein. Comme je vous l'ai dit, je les mets de côté. Donc n'hésitez pas à me partager du coup en commentaire si vous avez une avis sur cette marque. Je pense que je me le réserverai peut-être 2-3 fois par semaine, hein, ça suffit largement, je pense, pour de l'exfoliation. Et autre produit de la marque, qui est, je crois, leur produit best-seller et number one, c'est le masque resurfaçant. Donc, véritable masque coup d'éclat qui va provoquer une exfoliation chimique, qui va travailler donc sur l'éclat du teint, sur le fait que ça va lisser les ridules, éclairer, apporter de la lumière, lisser le grain de peau, réduire l'apparence des pores. C'est un peu le masque à tout faire. J'ai pris un petit format 30 ml. C'est le genre de masque que vous allez faire une à deux fois par semaine. Donc voilà, je mets tout ça de côté et je vous en reparlerai prochainement, dès que j'aurai à peu près. En fait, j'aimerais avoir un nettoyant, un tonique, un masque et un soin de jour ou un sérum pour essayer de me faire une sorte de routine et de voir un peu comment ma peau réagit. Ensuite, toujours chez mon corner B, j'ai voulu prendre la Holy Water. C'est une lotion à base d'acide hyaluronique de la marque Agent Nateur. C'est un produit en fait que j'avais découvert en petit format en fait. On est vraiment sur une lotion luxueuse à base d'eau de rose, d'acide hyaluronique. Elle a une certaine épaisseur, elle est comme gélifiée. C'est pas une lotion qu'on vaporise comme ça, voilà, comme un hydrolat et qu'on laisse sécher. C'est un soin à part entière. Moi, pour moi, cette lotion remplace par exemple un sérum. Il m'arrive vraiment de l'utiliser tel quel, comme un sérum. Donc c'est par exemple une lotion qui est géniale si vous connaissez la 7 Skin méthode, qui consiste à appliquer 7 couches d'une lotion hydratante pour vraiment saturer la peau, d'hydratation de la peau en eau. Je trouve que cette lotion est divine pour ça, parce que même si elle est un peu épaisse, elle l'est pas trop, donc elle ne vous laisse pas de surplus, de surgras, mais vraiment vous sentez qu'elle réhydrate profondément la peau. L'odeur, c'est une belle odeur de rose. Moi je suis pas très fan de l'odeur de rose, mais là c'est une rose vraiment très classe, très délicate, avec franchement c'est vraiment un pur merveille. Et vraiment, de par sa composition, ensuite on a du concombre, l'acide hyaluronique,
de l'eau de rose, des extraits de fruits, du miel, du santal. Je voulais vraiment me prendre ce produit en full size parce que le petit format m'avait vraiment convaincue. Ça m'a duré très longtemps parce que forcément, lorsque c'est des produits comme ça, très concentrés en actifs, qui ont un certain coût, eh bien forcément, on a la main beaucoup plus légère et moins de produits suffit. Donc, il y a un petit côté économique. C'est vrai que c'est assez cher à l'achat au début, mais au final, moi personnellement, ça me dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Et toujours chez Agent Nature, ils viennent de sortir un contour des yeux. Donc là, c'est vraiment l'attrait de la nouveauté. Vous savez, le produit qu'on a envie de tester qui est tout nouveau. Une très très belle formule avec du concombre. On est sur un produit, d'après ce que j'ai vu, qui est assez léger en texture, qui est vraiment décongestionnant. On a de la pilocèle, donc c'est vraiment pour en fait enlever l'excès d'eau, pour décongestionner, de la caféine. On a toujours de l'extrait de rose, il me semble, de l'huile de ricin, donc ça doit être un peu pour fortifier les cils. On passe au produit que j'ai commandé sur iHerb, le premier, un gommage de la marque Andalou Naturals. Andalou Naturals, c'est vraiment une marque petit prix avec des très très belles formules. Ils ont des masques qui sont super bien. Moi, je sais que ça fait partie des marques que j'adore commander parce qu'elles sont petit prix, belle compo. Il y a toujours des produits super sympas, notamment un masque à l'acide glycolique qui, je pense, est un très bon dupe du masque resurfaçant de Tata Harper. Il est peut-être un peu costaud hein, parce que je sais que voilà, qu'on le laisse poser, on sent qu'il est actif, mais niveau couleur et texture, ça ressemble beaucoup au masque de Tata Harper en 10 fois moins cher. Et je pense que c'est vraiment 10 fois moins cher. Donc là, j'ai voulu me prendre un gommage à grains. Ça m'arrive rarement de faire des gommages à grains pour le visage, mais de temps en temps, j'ai besoin d'avoir un produit gommant. Et aussi au niveau des lèvres, j'aime bien avoir des fois un gommage à grains. Donc j'ai pris celui-ci qui est un gommage à base de sucre et de citron. Et l'odeur de ce gommage est quasiment identique à celle du gommage de Rachel Splendby. Donc moi, j'aime pas trop. C'est vraiment un citron très fort qui prend, qui saute au nez. C'est très vif, hein, faut aimer. Donc voilà, gommage petit prix, très très bien. Sur iHerb, j'ai recommandé, ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que je le recommande, le L'OPH Good Morning Gel Cleanser, qui est un nettoyant vraiment purifiant avec un pH acide, qui est le pH idéal pour la peau, de la marque Cosrx. Je vous en ai parlé plusieurs fois, ça sent l'arbre à thé, c'est pas le nettoyant le plus glamour, mais c'est excellent lorsqu'on a des problèmes de peau. Donc je pense notamment voilà, à mes deux adolescents qui commencent à avoir de l'acné, à moi lorsque ça s'emballe, parfois lorsque vous avez des petits boutons au niveau du dos, pour moi ça fait partie des incontournables pour ma peau grasse, pour les peaux à tendance acnéique, dès que vraiment vous avez besoin d'avoir un côté purifiant. J'aime beaucoup, pas cher, rien à redire. Au niveau compo, alors là on rentre dans la K-Beauty, donc on est moins sur des produits naturels. Même si c'est des produits de K-Beauty, j'aime checker les compositions et essayer de je cherche en fait des produits qui ont le plus d'actifs possible hein. Donc, et en plus on en trouve vraiment, il n'y a pas que du synthétique en K-Beauty, attention, ça se positionne pas forcément naturel, mais on arrive à trouver des jolies choses. Donc voilà, pour moi ça c'est un bon basique, pas cher, efficace, qui me convient très très bien parce que j'ai le type de peau adapté pour ce nettoyant. Côté nettoyant, alors là je me suis laissée influencer par Sonia Seller qui ne jure que par ce pain de savon V10. Alors moi je suis pas très pain de savon pour le visage, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les gels, mais alors elle aime tellement ce pain de savon, je pense qu'elle est tellement convaincante que voilà, j'ai complètement craqué et j'ai voulu tester ce produit. J'ai pas encore testé hein, parce que j'ai des nettoyants à finir. Donc voilà, c'était pure curiosité, on est sur un produit à base de vitamine C qui travaille sur l'éclat du teint, brightening, moisturizing, donc vraiment tout ce qui est éclat, hydratation. Alors la compo, je n'ai pas trop regardé là franchement, je me suis dit allez, je fais confiance à Sonia, je regarde pas la composition et je verrai bien, je testerai. Donc à voir, Sonia, je te tiendrai au courant. Hein. Aussi influencée par Sonia et aussi parce que je connaissais la marque pour avoir testé leur lotion anti-point noir, le Bye Bye Blackhead, donc qui est un masque moussant qui va éliminer et dissoudre les points noirs. Alors lui, je ne l'ai pas eu sur iHerb, c'est pas vrai. C'est sur Amazon parce que sur iHerb, il n'y est pas. Donc c'est un nettoyant moussant, moi, que je fais environ 2-3 fois par semaine parce qu'en ce moment, j'ai des points noirs. Hein, donc il y a des périodes comme ça, glamour, où il y a tout qui s'emballe. Donc vous appliquez ce gel soit localement, hein, vous faites du zoning, hein, comme on en parlait avec Sonia. Vous pouvez vraiment faire que par zone. Donc voilà, où vous faites que le pif, hein, que le nez, que le front. Moi, la dernière fois, je l'ai fait sur tout le visage. Ça se passe très très bien. Ma peau le tolère très très bien. Donc je fais ça le matin en remplacement d'un nettoyant moussant puisque ça mousse au contact de l'air.
Et ensuite, du coup, quand vous le rincez, et ben voilà, ça continue à mousser. Donc, vous avez la peau qui est voilà, polie, qui est parfaitement nettoyée, qui est désincrustée. Et c'est vrai que dès la première fois, si vous avez des points noirs apparents, eh bien, ils sont déjà moins visibles. Alors là, normalement, c'est comme la lotion. Il vous promet en fait 30 jours, à faire ça sur 30 jours. Moi, je fais pas ça tous les jours, c'est juste impossible. Hein, sinon, je pense que je n'aurai plus de peau du tout, donc plus de points noirs, ça c'est sûr. Je vous conseille sa vidéo sur l'acné d'ailleurs, qui est très très bien. Et en fait, donc de cette marque-là, ça faisait 2-3 mois que je testais le lotion toner tonique, la lotion pardon aux acides de fruits que j'applique vraiment localement, alors pareil chez les enfants là où il y a des petits points noirs, et moi au niveau du nez voire même de partout, puisque moi j'aime utiliser des produits aux acides de fruits. En fait, j'alterne cette lotion avec mon élixir de clarté d'eau coco. On est vraiment sur des produits à l'opposé, que ce soit au niveau du prix et au niveau de la composition. Donc, vous voyez comme quoi on peut s'amuser, on peut jongler, on peut utiliser vraiment des produits différents dans des routines. Voilà, des produits à la fois naturels et un peu moins. Donc, amusez-vous. Hein. On n'est pas forcément, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Je suis assez convaincue. Pour l'instant, déjà, la lotion, j'aimais beaucoup. Je trouve qu'au niveau déjà des points noirs, j'en avais beaucoup moins ces derniers temps. Et au niveau des pores, j'ai l'impression que ça se resserre. Ensuite, sur iHerb, je suis tombée sur ce sérum à base de vitamine C. Alors la marque, c'est de la K-Beauty aussi, BRTC, je ne connais pas du tout. Donc en fait, on est sur un produit qui contient 10% de vitamine C, mais alors l'originalité, moi ce qui m'a en fait percuté, c'est que vous avez en fait 10 types différents de vitamine C, et vous avez beaucoup de vitamine B3, la niacinamide, qui est très connue pour tout ce qui est pour tout ce qui est taches pigmentaires, pour resserrer les pores, tout ça. Donc je trouvais que la formule était très très intéressante, et comme il y a toujours dans mes routines un sérum à la vitamine C, j'avais envie d'en tester un nouveau. Le prix était très très raisonnable, en plus je trouvais la formule assez intéressante avec pas mal d'extraits de plantes, même si c'est de la K-Beauty. Et pour terminer, produit japonais cultissime, la lotion que je ne sais jamais prononcer, Dada Labo. Alors la classique, c'est celle-ci, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, parce que j'utilise cette essence qui est vraiment une lotion hydratante bourrée d'acide hyaluronique. Il y a plusieurs formes d'acide hyaluronique, c'est-à-dire bas poids moléculaire qui pénètre, qui stimule la production de collagène, et haut poids moléculaire qui reste en surface, qui maintient l'hydratation de la peau. J'applique ces lotions avant mes huiles pour le corps. Mais en fait, dans cette marque-là, ils en ont mais des tas, hein, de lotions à base d'acide hyaluronique, des plus riches, des moins riches. Et en fait, ils en ont une qui contient de l'acide tranexamique, à mes souhaits. Et en fait, l'acide tranexamique, c'est un actif anti-tache puissant. D'ailleurs, SkinCeutical vient de sortir un sérum à base de cet actif qui apparemment a des résultats vraiment très 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 performant, même sur des mélasmas, sur des taches pigmentaires bien installées. Et donc en recherchant un peu des informations sur cet ingrédient, j'ai vu que Ada Labo proposait une essence hydratante à base de cet ingrédient-là. Donc là, pareil, on est sur une lotion très riche en acide hyaluronique. Je crois qu'elle est encore plus riche en acide hyaluronique. Il me semble que dans celle-là, il y a genre 5 types d'acide hyaluronique. Mais en plus, vous allez avoir donc ce fameux actif anti-tache. Donc voilà, comme là je vais amorcer une sorte de routine anti-tâches, parce que voilà, j'ai des tâches récalcitrantes, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté avec cette essence que du coup je ne réserverai pas pour le corps, mais bien pour le visage. Comme vous pouvez le voir, je vous ai à la fois parlé de produits naturels, de produits qu'ils sont moins. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a une richesse en cosmétiques qui est énorme. On a la chance voilà, d'avoir du choix. Amusez-vous. Les choses ne sont pas forcément ou toutes noires ou toutes blanches. Je vous l'expliquais sur Instagram cette semaine. On peut utiliser très bien des produits totalement green, des produits écolux, des produits bruts, des beurres, des huiles, des produits de K-Beauty, des produits plus conventionnels. On peut s'amuser, mixer les produits, regarder les produits qui vous font plaisir, qui vous font rêver, qui vous donnent envie. Moi, j'aime regarder les formulations, voir vraiment les produits, prendre le meilleur, comme je dis, de la nature, le meilleur de la science. Mixer le tout, m'amuser, me faire plaisir, ce n'est que de la beauté. Mettez de la légèreté dans tout ça. Amusez-vous, faites-vous plaisir et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Bye bye.